Brutus, les gars. Je m'excuse d'avance, j'ai plus de voix. Parce que hier, j'ai un peu fêté champion du monde. Tu vois ma voix? C'est ça. Donc ouais, hier, j'ai un peu fêté, du coup, j'ai plus de voix, mais on va quand même faire une vidéo. Donc aujourd'hui, on va à côté de Milly-la-Forêt. Je suis avec Fred. Salut. Lolo et Greg. Et puis bon, on va faire comme d'hab, du single et redu single. Avec des cailloux. Aujourd'hui ça va être trialisant, c'est ça? Bah ouais, comme d'habitude quoi, c'est rigolo. Voilà, donc on va voir, on va s'amuser. Vous allez entendre ma voix pourrave tout le long du... de la vidéo. Excusez-moi. Allez, go, on y va. Bon, on est parti. Petite journée tranquille. On va encore bien s'amuser, je pense. Oh, le manuel. Donc là, on monte sur combien? 50 mètres. À vue de tête. 300 mètres, peut-être, je sais pas. Voilà, on va monter là. Pas de dérivé, hein. Wouh! Échauffement. Décroche Greg, décroche. Je suis absent pour le moment. Veuillez me laisser un message. Ce qui est bien dans ce genre de terrain, c'est dès que tu fais une montée, il y a forcément une descente quelque part. Putain, il m'a mis une trace Greg. Ah ok, il doit être par là le coup de cul, non? On va parler d'un coup de cul. Ok, le 3 a passé. Et après le coup de cul. Avec des rochers, c'est ça? Ah non, la branche! C'est passé quand même. On est le matin là. Et il fait déjà super chaud, je trouve. Ça va pas aller en s'arrangeant. J'ai pris qu'une poche à eau, j'ai pas pris plus. Bon, on verra bien. Je vais boire dans la poche des copains sinon. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Greg? Il a encore avalé un moucheron, gars. Vu comment il racle, ça devait être un scarabée, tu vois. Allez. Ah oui, descente marche. Ouah. Avec un peu de cailloux. Ah ouais, belle descente. Ouh. Ouah, ça secoue un peu. Mais ça passe. Ouah. Elle est bien celle-là. Elle déchire. Ouh. Oh là là. Eh, c'est bon, récupère le sentier. Ah, je suis content, je suis content, je suis content. Oh, putain. Deuxième montée assez longue. Mais ça va, c'est assez roulant. Mais elle est longue. Hein. En plus, il y a des lacets, on dirait un col. Ça va, Greg? Putain, je pensais qu'après le virage c'était fini. Bah non. Vache. Elle est turde celle-là. Allez, on respire. Ouais, ouais. On expire par où on peut. Et on boit un coup. Là, il y a Greg, il va nous passer le rocher. Oh oh. Beau gosse, beau gosse. Alors, les deux devant là, je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Ils veulent chasser la pomme de pin ou quoi? Allez,
Et là, ils essayent de mettre des... Wouhou. Et je vous le dis, il faudra un ravito, hein, les gars. Parce que là... Je crois que la montée, elle a puisé dans mes forces. Bon, les gars, on est sur une zone sensible à l'érosion. Du coup, on n'a pas le droit de rouler. Du coup, on pose pas nos gros culs sur nos vélos. Juste, on passe à pied, quoi. Respect à la nature avant tout. C'est bon, là, nickel. Ravito ! Ravito un petit peu tôt, mais... Parce que j'ai pas déjeuné ce matin. Je sais, c'est pas bien. Je sais. Oh voilà, on est sorti de la zone en érosion. Du coup, on est reparti à ravito terminé. Là, c'est vraiment beau là. Rien à dire. Oh, regardez un. Quelqu'un qui a empilé des cailloux, je sais plus comment ça s'appelle. Quand t'empiles une tour, tu fais un vœu. J'avais vu ça l'année dernière aux îles Canaries. Ah oui les gars, je vais vous en parler un petit peu. Bon, c'est pas tout de suite. Mais je pars en vacances 15 jours. Et je pars sur une île grecque. Alors c'est pas Mykonos ça. Je vous vois venir déjà. Du coup, je pars 15 jours et je vais essayer de faire des petites vidéos sympathiques. Donc, il y aura du vélo, je vais essayer de louer un vélo là-haut. Et puis, peut-être un petit peu des hors-série, des trucs, des activités. Bon, après, les hors-série, dites-moi dans les commentaires si ça vous botte ou pas. Si je fais des petits trucs un peu qui sortent du vélo. Ou si vous en foutez et je fais que du vélo quoi. Bon alors apparemment il n'y a rien d'exceptionnel mais je m'arrête quand même quoi. Là la marche. Et comment tu vas aller à gauche? Ouais, il me dit il n'y a rien d'exceptionnel. Et moi, comment je fais le virage là? D'accord. Ouais, c'est beau ça. Oh là là. Voilà. Beau, beau. Bah ouais, là. Bra. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. S'il vous plaît. Ouais, ça y est. Voilà. Oh la marche. Oh la vache, je vois pas où je vais. Oh la vache. Oh, j'ai failli passer par-dessus le guillon. Et le jump, il m'a mis un coup de... Ah, ça a fait effet catapulte, je crois, je touchais plus les pédales. Je suis retombé sur les pédales. J'ai cru que j'allais passer par-dessus l'avant, quoi. Petite frayeur, là. Allez, descente, les gens. Apparemment, avec plein de rochers, plein de marches. Ah ouais, d'accord. Effectivement, les marches. Voilà ce que j'ai fait là. Putain, ça chahute bien. Oula, 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 oula. Ouais, ouh. Ouais, ouais, ouais. Là, passage que je crois que je vais pas passer. Hein. Regardez ce qu'il y a à descendre. Un rocher.
Oh là 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 là. Mon cerveau qui dit que c'est une énorme connerie. Bon les gars, j'ai mis le cerveau de côté quand même hein. J'ai dit vas-y, fonce à balle. Wow wow wow, c'est pentu quand même hein. Oh putain, mais je pars de l'arrière. Truc de ouf. Eh les gars, vous avez déjà vu un bunny hop caca? Un bunny hop caca. Prêt les gens? Allez Fred, bunny hop caca. Ah, il a roulé dedans. On va le refaire. Attention, bunny hop caca numéro 2. Oh, le bunny hop caca. Ouais. Oh, du sable. Oh, la vitesse, la vitesse. Oh, je suis arrivé trop vite. Oh, 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 oh là là. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh, j'ai trop dit putain, pardon, les gens. Bonsoir. Oh là là. Bon bah sur la descente Fred a crevé les amis. Et voilà, crevaison. Il a été trop vite. Ça j'ai été vite. Bon bah voilà, terminé. On est pas bien là? Si si. Champagne. Donc Greg, on a fait combien? Donc 20 km et... 20 km et 365 de dénivelé. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Y a pas à rougir, hein. Donc voilà. Ouais. Bon, tchuss les gars.